Ah, regardez-moi comment c'est moche. Ah, mais il est dégueulasse. Ah, le Castiverque. On est de retour et je suis en guerre donc toujours avec le Castillan. Qui m'a empêché donc de devenir Saint-Empereur, espèce de petit pédé. Là. Il a te péter la gueule, donc là je suppose qu'il brûle en Picardie. Je me rappelle plus pourquoi j'étais en guerre contre lui. Parce qu'il est con, ouais. Ah, viens là, espèce de connard. Oh! Je suis maintenant en union personnelle avec Naples. Oh putain, c'est trop cool. Oh cool! Voilà, c'est ça d'avoir un gros prestige. Oh, qu'est-ce qu'il est gros mon prestige! Oh, ouais, qu'est-ce qu'il est gros! C'est d'avoir ça où se parquent les frères Lagoule. Oh putain, cool, j'ai réussi à choper une union personnelle avec ces cons. Oh putain, j'ai 9 de lassitude, il va falloir vite que je fasse la paix avec le Castillan. Oh putain, ça fait plaisir. Ah ouais, ça franchement, ça fait plaisir. Truc pas prévu, parfait, écoutez. Il se barre où ce con? Calais. Ah, Calais contre mes 30 000 hommes. Bah t'es mort. Bon, il est temps de dépenser un peu d'argent. Brabant. Ah, je peux construire des ateliers, c'est bien ça. Surtout les provinces bien riches. Provinces bien riches, genre Zélande. Oh, c'est pas si riche que ça, Zélande. Flandre, Flandre, oui, oui, Flandre. Hop. Bon, tu veux faire l'appel, Castillan? Oh oui, tu veux le faire. Eh non, il veut pas. Donc je rappelle que Saint-Empereur est donc le bohémien. Il y en a quand même car certains qui votent pour moi. Et donc je possède Naples. Putain, ça fait plaisir. Enfin, Naples est mon sous-union. Sachant que Naples est sous-union, je suis allié à Écosse. Ah, c'est vrai que je suis en alliance. Je possède... Ouais, tant pis pour l'argent. Je possède Aix-la-Chapelle, Clèves, Cologne, Lorraine et Trèves sont mes vassaux. Oh, tu rejettes alors que t'es mon allié. T'es mon vassal, tu te fous de ma gueule, je crois. Ah, et Cologne était avec moi, c'est vrai. Donc, Cologne, je m'allie avec Cologne, puisque c'est mon vassal. Aix-la-Chapelle, je suis déjà allié. Bon, c'est parfait tout ça. Bon, j'ai très ambition italienne, mais bon, ça me sert à rien, ambition italienne. Je suis pas en guerre, je peux pas entrer en guerre contre le Savoyard. De toute façon, je suis en telle lassitude de guerre. Putain, dégage! Il est en guerre avec l'anglais. C'est marrant ça. Le français est en guerre contre l'Angleterre. Pour faire des mariages royaux partout. Oh, putain, sérieux, Palatinate. Ah, Cologne, il a Cologne et Westphalen, faut que je fasse gaffe. Au cuir, j'ai tout, ils ont plus rien à foutre. Ah, faut dire que je me suis bien servi quand même. Oh putain, il est de retour lui! Ah, le Castillan, il a pas compris que je vais lui péter la gueule. Ah, bavard, ouais, c'est bien. Il va se barrer par contre, ce con. Castillan de merde, quoi, putain. Bouffeur de paella! Ah merde, il se barre. Il se barre là-haut, oui. Putain, il m'a fait mal par contre, là, sur le coup. C'est peut-être son capitaine, son roi, Miguel. Miguel. Allez, hop, il vient de perdre 15 000 hommes par deux fois. Allez, fais la paix. Putain, je vais pas descendre jusque chez lui. Oh, le français, il a fait la paix. Putain, il lui a rien pris à l'anglais. T'es con, le français, ou quoi? Putain, t'es vraiment à demeurer. Ouais, t'es vraiment qu'un gros con. Français, toujours allié à l'Autriche. Oh putain. Il y a quand même un France-Autriche-Bohème. Ça, c'est quand même assez craignos. Tu veux t'allier avec moi, le Polonais? Oh non, tu veux pas. Ouais, t'es un gros con. Parce que moi, j'ai pas d'allié. Moi, il me semble que j'ai juste l'Écosse comme allié. Ouais, tous les autres, c'est mes... Ah non, je suis allié à Venise aussi. Ah ouais, Venise. Ça et ça. Ah oui, quand même. Ah ouais. Moi, je peux appeler le Napolitain aux armes. C'est juste pour effrayer en fait le Castillan. Qui veut toujours pas faire la paix. Bah non, c'est un gros con. Ah oui, c'est vrai qu'il a rejoint Clèves dans sa guerre. Mais Clèves, de toute façon, c'est mon vassal, c'est quoi?
Ah oui, c'est mon vassal. Bon, parfait. Hop là. C'est vrai que j'ai vassalisé à tour de bras. On va virer ça parce que la mission là, j'aurai jamais. Ah, créer une flotte digne de ce nom, mais va te faire foutre. Je suis le boy. Je suis le bohémien, pardon. Je suis le bourguignon, on n'a rien à foutre de la flotte. Il me faudrait combien? Ah, il faudrait 15 bateaux. Non, c'est 75% qui demande. Ah non, putain, 15 bateaux, je vais pas les sortir. Remarque, j'ai l'argent pour. Ah putain, il est de retour déjà. Il va encore perdre 17 000 hommes, il est trop con, tu sais. Toute mon armée ici, abruti. Est-ce que j'ai des casus belli? Ouais, casus belli contre Angleterre. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? L'anglais, j'en ai rien à péter. C'est une brêle. Sous les guerres, j'essaie de regarder les guerres contre le Castillan. Bah écoutez, on va attendre. En 54, mon allié écossais fait la paix avec le Castillan et lui cède Ayrshire. Donc c'est Ayrshire, c'est quoi, c'est ça? Ah non, ça! Dans le Castillan, il s'est foutu là. J'attends toujours qu'il fasse la paix. En attendant, j'ai porté mon armée à plus de 40 000 hommes. Merde. 20 000 hommes de chaque côté. J'ai fait deux armées de 40 000 hommes. De 20 000 hommes, pardon. Ouais, c'est pas en faire peur au Castillan. Puis bon, parce que j'ai des finances, hein, 1 500 balles, regardez-moi ça. J'essaie en même temps de me développer tranquillement. Parce que de toute façon, là, j'ai pas grand-chose à faire. Je cherche une alliance maintenant que l'Écossais n'est plus mon allié, il me semble. Ouais, il veut plus s'allier avec moi. Fait chier, il me fait un allié en moins. Oh, le portugais il a pris Ulster, wesh. Du coup, avec qui je pourrais m'allier? Ah, le Suisse, non tu veux pas? Si je te fais un petit loan d'argent. T'aimes bien ça? Ah. Ah, Genoa veut pas s'allier, putain. Non. Non. Ah, sachant que Naples est à moi. Oh, peut-être, attends, peut-être que l'état pontifical. Moi, je suis chaud à arriver ou pas. On va essayer de se rallier avec le Génois. Ça a l'air d'être le seul qui sera à peu près correct. Qui ça? Ah, la Hollande y a pris Sardaigne, ok. Pff, allez, fais la paix, le Castillan. Fais une paix blanche pourrie. Parce que moi, lassitude de guerre, le monde, ça fait chier. J'ai l'accès. Bah écoutez, je vais attaquer le Castillan. Tant qu'à faire, j'ai eu du bourriner la gueule, ce qui commence à me faire un peu chier lui. Ah, attends, l'Hongrois il voudra peut-être. Non, il veut pas. Le Bohémien? Non, il veut pas. Le Karakoudiou, ah, c'est vrai que le Karakoudiou c'était foutu là. Une espèce de cinglé. Ah, peut-être que le Suédois il voudrait une alliance. Oh putain, ça coûte cher de faire des dons. Peut-être que tu vas s'allier avec moi. Ah, il voudra pas, je pense pas. Bref, on est toujours dans l'attente, écoutez. Merde. Voilà, j'ai un peu de mal à diriger mon merdier. Alors, Gérone. Oh putain, un contre-traversant, j'ai perdu 5 000 hommes. Oh là là. Oh non, mais j'ai merdé là. Même là, oh là là. J'ai trop grosses armées. Là, dans les Pyrénées, putain, oh, je vais prendre l'attrition au taquet, putain. Il fait chier l'autre con. Ok, là, pas d'attrition, pas d'attrition. Pas d'attrition, pas d'attrition. Oh, parfait. Là, par contre, lui, il arrive, putain, chier.
On va essayer de faire fond commun. Alors. Oh, je le défonce. Oh, le viol. Oh, je le ruine. Pourtant, je fais des jets de merde. Hein. On va envoyer 8000 hommes pour l'aider. Hop. On va essayer de prendre Barcelone ici. Allez, 20 000 hommes sur toi. J'ai un peu plus de mal à suivre les autres. Attends, on va prendre Barcelone. Je peux même me diviser et prendre Gérone. Allez, dégage! Putain, je prends moins 5 quoi. Oh, je fais rien du tout, sérieux! Oh là là. Hop. Elle accepte pas la paix blanche. Ok, le français m'insulte. Moi je t'emmerde. Oh, je lui fais rien quoi. Ah ça y est, je l'ai buté. Eh bah putain. Tout ça pour ça quoi. France nous avertit. Oh bâtard, oh le français va faire chier. Crise de recrutement. Oh non. Elle a une paix blanche quoi, sérieux. Ah et merde, il a calé ce con. Ah putain, il a ramené 15 000 hommes. Qu'est-ce qu'il fout le Portugais en guerre? Ah, il est en guerre avec le Castille. Ah merde, putain, le Suédois est en guerre contre moi. Oh putain, j'ai autre chose à foutre. Ah, paix blanche. Oh, c'est bon, vas-y. Pas de soucis, mon gars. Castillan, tu ferais mieux de faire la paix, hein. Il y a le Porto qui est là, attention. Attention. Du coup, est-ce que je le garde ici? En fait, ça m'intéresse pas. Je me barre ici. On va prendre Madrid. Il a foncé sur l'Arte. Oh là là, j'ai tellement perdu de manpower. Ah mais dégage putain. Oh, en passant il me fait bouffer mes trucs. Roussillon va tomber, Barcelone va tomber. Ah, Barcelone est tombée. Ah toi mon gars, je vais te faire mal. Hein. Il accepterait même pas la paix blanche. Madrid ça tombera pas, ou si on catch RS. Ouais, on m'en attend quoi. Ouais, c'est parce qu'il a pris Naples, c'est ça que je suis. C'est quoi ça? Ah, même pas encore si je m'en fous. Non, attends, je fais des armureries partout pour avoir plus de manpower, parce que là. En R. Hop. La fin des jacqueries. Ok, j'ai pris catch RS. J'ai pris Roussillon. Il m'a pris Artois. Bon. Échange de bons procédés, écoutez. Tu fais la paix. Ah, attends. On me proposait une paix blanche. Parfait. Ouais, c'est bon. Ta paix blanche pourrie, je la prends. J'en ai rien à foutre. J'ai autre chose à foutre qui va m'occuper de.
De ce singe, quoi, de... D'espingouin. Allez. Oh là là, je perds tellement de manpower. Oh là, c'est la dèche. Mais naval, je m'en fous. Je vais avoir commerce 8, ce sera pas mal. J'ai 1 d'inflation, ça va, c'est pas énorme. Ok, vous deux ici. Oh, j'ai tellement perdu de troupes. Intégrité impériale, ouais. T'as des troupes bloquées, gros con. Ah, mais le Portugal est en guerre avec la Castille. Le Castillon est en guerre avec le Portugal, l'Angleterre. Oh, il va se faire défonce. Je pense que le Castillon, il va prendre cher. Là, j'ai... Oh, attends, là, j'ai 11 000 hommes. Ils vont venir ici. Ah, oh, merde, je suis perdu. Oh, mais même là... Ah, là aussi, ok. Oh là là. Hop. Ouais, c'est parce que j'ai pas d'armurerie. Ah. Quand tu sais, ça me permet d'avoir quoi? Ah, ça renforce la vitesse, ça qui est bien. Allez, dans l'innovation. Un réformateur 6. Oh, technique navale, oh, c'est de la merde. Ah, vous me direz, ça peut être pas trop mal pour augmenter mon naval. Mais c'est mon technique navale. Alors, technologie commerciale 6, c'est bien. Terrestre, je vais bientôt être à 9 en terrestre, c'est bien. Ok, nomination au mérite, ah oui, c'est ça que j'avais pris. 0, 0, 0, 0, parfait. Il va falloir que je commence à engager des mercenaires dans mon armée. Pour combler bah, les pertes que je prends. Hein. Là, j'en ai un par exemple. Ah oh, ouais, regardez-moi ça. On va commencer à se payer les mercos. Engager les mercenaires. Ah, il n'y a plus que des chevaliers en mercenaires. Ah ouais, c'est ça. Oh, fait chier. Écoute, on va en prendre quelques-uns. Bon, mais pour le moment, c'est plutôt calme. Oh putain, la question, on se fait défoncer. Comment ça fait plaisir. Ah, mais il me déteste, le suédois, merde. Pourquoi il me déteste? Ah, parce qu'il me déteste. Il faudrait un gros allié quand même. Putain, puis Gênes, il refuse tout le temps. Toscan, il refuse. Bon, bah, de toute façon, je vais être un peu passif là, vu qu'il faut que j'attende que tout se remette. Oh là là. Il vous faut 5000 hommes, j'en reçois 1000 par mois. Hein. Faudrait que je passe un peu en quantité en fait. Là, j'ai quand même moins 7%. On verra bien. Et bah le Portugal s'est bien servi, putain. Il a pris Salamanque et l'Andalousie. A savoir que le nouveau empereur est encore le bohémien. Il y en a que deux qui votent pour moi, malheureusement, je n'ai pas été empereur. Faudrait que je sois allié avec la Saxe en fait. Ah, il y a une union personnelle avec le Hongrois. Ah merde. On va faire des petits dons aux Saxons. Puis bah c'est tout, il s'est rien passé d'autre. Donc j'attends de reprendre un peu de manpower. Alors j'ai une nouvelle mission. Technologie militaire. Ah cool, j'ai un moral d'armée. Protéger contre France. Faut que j'ai une armée plus grande que la France. Alors je sais pas combien il est en armée. Requête formelle. Il veut récupérer quoi? Zélande? Non, tu vas te faire enculer. Oh, je perds de la stop, putain. Non, je vais pas te refiler ça, tu vas te faire foutre, putain, fais chier.
Je crois que je peux voir ici. Qui a le plus de... Ah non, c'est pas là. Non, moi je sais pas combien il y a à la France, il doit avoir beaucoup. Parce que je crois que j'ai quand même 41 000 hommes, moi il me semble. Attends, putain, chaque fois je sais jamais c'est où. Ici. J'ai 41 000 hommes. Je sais pas combien il y a. Je pense qu'il doit tourner autour de 45 000 hommes. Peut-être, de toute façon je peux pas recruter de troupes. Ah si, là je peux. Quand est-ce qu'il y aura les canons par contre? Ce serait sympa. Terrestre 9, est-ce que c'est beaucoup 9 en terrestre? Ouais, il a autant l'autre. Ça va, j'ai 9 au gouvernement. Ah non, je suis largement... Putain, je suis bien développé, je suis vert. Ouais, que l'Hongrois patine. L'Ottoman aussi, l'Ottoman quand c'est un peu largué. Il y a combien l'Ottoman? Ah merde, c'est le Castillan, pardon. Ouais, oh, si, quand même, ça va. Bref, on va essayer d'avoir une armée encore plus... On va essayer d'élever notre armée, encore une fois. Ah, c'est ça, modificateur de carte effectif. Hop. Ah ouais, mais j'ai plus de magistrat. Bon. En 1460, la Castille hérite de la Sicile. Et moi, je viens de m'allier avec les États pontificaux. Donc il y a 8 000 hommes, ça me ferait du bien, je pense. Au cas où s'il y a des soucis. Et là, comme vous voyez, j'ai 10, 20, 30, 39... 51 000 hommes et ça ne suffit pas à être au niveau du français. C'est un peu gênant. Je sais pas combien il a d'hommes, le français, je pense peut-être 55 000 finalement. En tout cas, waouh. Impressionnant. Parce que là, ouais, j'ai bien ça. 51 000 hommes et je le dépasse toujours, quoi. Ah putain, puis il a pris morale plus 1, putain, espèce d'enculé. Sinon le Karakoulieu était viré, hein. Vous pouvez le voir, il lui reste... voilà, un peu. Ah, il y a l'Ukrainien. Tu as un mariage? Oh, c'est un peu le bordel, l'Ottoman est toujours assez gros. Ah, Castillan, il est encore puissant. Hein. Ah, il a hérité de la Sicile, directement. Putain, il a récupéré Malte et machin. Mon allié vénitien, a priori en guerre. Ouais, j'espère qu'il me gagnera. En guerre contre Castille, ah merde. Oh, appelle pas ta guerre pourrie, quoi. Ah, ça ira. Oh, et succession, on te regarde un petit peu, succession. Putain, j'ai 53 000 hommes. Comment ça se fait que je suis toujours pas au-dessus de lui? Allez, succession. Voir un petit peu. Ah, union personnelle avec la Bourgogne, j'ai vu. Ah, putain, le Danois. Union personnelle avec la Bourgogne, se perpétue, oui. Ah, avec le Danois, visiblement. Ce serait bien, ça. Ah, c'est con, ce qu'il veut pas s'allier avec moi. Je lui file un petit peu d'argent. Peut-être qu'avec un peu de chance. Oh, toujours pas dépassé, quoi. Mais il a combien d'armées? Ça se trouve, il a 4 armées de 15 000 hommes. Ce qui lui ferait 60 000 hommes. Là, j'envoie 13 000. Heureusement j'ai plus de bateau. Sachez que j'ai construit des terrains d'entraînement et des armureries partout. C'est dingue, regardez. Je veux mes 5% de tradition militaire promise. Non, toujours pas. Du coup je suis ric-rac en manpower, c'est un peu gênant. Onze mille, 22 000, 22 000 et 13 000, ça nous fait 35 000, 46 000, 57 000. Ouais, il doit avoir 60 000 hommes, le français. Et toujours allié à l'autrichien. Ah oui, bah oui. Putain. Ah, ça craint. Il a autant d'hommes que ça, putain, ça va être la vraie guerre quand je vais voir lui défoncer la tronche. Ah, j'ai aucun casus belli, ça qui est chiant. Ah, enfin, je fais stabilité de 3. Ça faisait un moment. Ce qui est bien, c'est que ma lassitude de guerre est descendue.
Parfait. Oh, Chib veut un mariage royal. Ok. Oula, alors ça c'était pas prévu. Le français me déclare la guerre. Ah, merde! Le bohémien me suit. Ça c'est marrant. Oui, parce que je suis l'empereur. Ah, il est l'empereur. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette guerre pourrie? Alors, je suis seul avec Aix-la-Chapelle, Clèves, Cologne, Lorraine, qui sont mes vassaux, Trèves, Naples et mes alliés. Donc, les États pontificaux, Brandebourg, Elbe. Oh, il y a l'Autriche en face. Il y a l'Autriche et le Français. Oh là là. Bon, bah écoutez. On va essayer de prendre rapidement l'île de France. Je vais me protéger ici. Je vais prendre le Berry rapidement. Je vais surtout recruter. C'était pas prévu qu'il m'attaque. Enfin, je m'en doutais un petit peu quand même qu'il aime bien tôt ou tard m'attaquer. Je viens de me prendre des généraux. Oh là mon gars, je vais venir te péter la gueule. Hop. Celui-là, il est pas trop mal. Là, est-ce que j'ai un chef? Oui. Alors avec ce chef-là, je vais essayer de le prendre directement avec un peu de chance. Je vais le choper. Je vais tout foutre. En militaire, en terrestre. Putain. Allez, file-moi du terrestre, j'ai besoin de terrestre. Ok, donc il fuit. Il ne cherche pas le combat. D'accord. Ah oh, putain. Ils ont payé les révoltés au Luxembourg. Ça, c'est l'Autrichien, c'est la petite pute autrichienne qui fait ça. Oh putain, il y a 30 000 hommes là-haut. Oh mais merde. Pardon, quel con. Oh putain, il y a des troupes partout. Oh putain, il y a des troupes partout. Regardez le nombre de troupes qu'il a, ce mec. Ah, il me file des subventions de guerre, le Rosby. Ok, on va essayer de le bourriner en haut, parce qu'en bas, c'est perdu. Je vais vous le dire direct. Ok, là, je le bourrine. Parce que là, il m'a pris mes deux troupes. Hop, on se replie. Et hop, on va se replier. J'ai pas perdu grand-chose, ça va. Oh, le misère qu'il me met, putain. Comment je peux perdre? Ça va, je l'ai défoncé. Hop, on va essayer de le prendre directement par ici. Ah, il m'a repris! Oh là, je crois qu'il m'a anéanti. Ah non, il m'a défoncé. Ah, et merde, c'est ici qu'il va. Ici, ici, faut que je me barre. Faut que je me barre. Barre-toi! Attends, ça va un peu trop vite. On va baisser la truie. Ah, je pense que c'est mal barré, je vous le dis direct. Ok. Je vais laisser juste 10 000 hommes ici. Ah, mais ils se barrent en Anjou. Putain, c'est pas là qu'il faut se barrer. Que je me barre! Barre-toi! Barre-toi dans le main. Ok. J'ai amené mes troupes d'ici l'Île-de-France. Il y a un peu de chance, ça va tenir. Ou je vais foutre en Alençon. Avec un peu de chance, j'aurai un barrer en Alençon. Ça va. Ça va, j'ai aussi un barrer en Alençon. Oh bah parfait. Ça va, ça va, ça va. J'ai aussi à les barrer en Alençon. Toutes mes troupes qui arrivent. Oh, je vais péter ce. Oh, ça y est. Il va s'éliser Freeze. Bon, on verra. Ok, j'ai réussi à m'en sortir miraculeusement. Ouais, là c'est même plus que miraculeux. Oh merde, tout le monde ici. Ok, tout le monde ici. Oh, écoutez, on va le poursuivre. Oh non, j'attaquais avec zéro de morale, quel con. Ah, c'était la mauvaise idée, ça. Ah, tu me diras, je tiens quand même. Je sais pas comment se passe en. Ouais, l'Autrichien a défoncé le Bohémien, bon, bah, bizarrement. Oh là là. Parce que là, j'ai plus de troupes, elles sont toutes engagées. Ouais. Oh là là, je me fais défoncer. Non, ça va, j'ai quand même plus de morale. Oh là, mais le massacre, quoi. Non, mes alliés font ce qu'ils peuvent, mais voilà. Ok, j'ai gagné.
On va essayer de lui anéantir en fait cette armée. Je vise l'anéantissement de l'armée. La chance c'est que lui, il a 10 000 hommes bien frais. Enfin bien frais. C'est un grand mot. Ok, je l'ai ruiné ici, mais c'est l'autre qu'il faut que je ruine maintenant. On va essayer de virer une armée qui me sert à rien. Voilà, lui. Ah non, c'est le seul qui est correct. Lui, il a les 4 000 hommes. Oh non, non, non. Ah, j'arrive pas à mettre en pause. Ok, on va essayer de le bouffer à l'ançon, là. Bah, le problème, c'est que... C'est que bon, il y a toujours l'Autrichien. Essayez de l'occuper un maximum. Mais... Ah ouais, et puis l'autre il me prend de partout. Oh, je lui fais rien perdre. Il va où ce con? Quelle est mon armée où il n'y a rien? Tiens, on va prendre Ko, toi. Ah, on a pris Sun Go. Ah non, il a sauvé Sun Go. Ouais, mes alliés servent à rien, quoi. Ah, je l'ai buté. Parfait. Voilà, on va vite se déplacer. Essayer de prendre un maximum de villes. Parce que là, c'est la vraie dèche. Hein. On va essayer de prendre position. Parce que là, en plus, j'ai des révoltés, moi. Oh là là. Oh putain, il a 12 000 hommes là qui arrivent. Bon, je récupère un peu de morale. Oh putain, espèce de bâtard. Ah non, ça va, il bouge. Ah si, il vient, putain. Ah, il s'est fait excommunier. Si j'amène des troupes là. Ah, ça va, je reste à 10 000. Ah oui, puis il m'attaque là, merde. Ah là là, qu'est-ce que je peux faire? Putain, je suis coincé. Parce que là, l'île de France, putain, j'étais à 13%, casse les couilles. Ah, puis ça l'arrête, bah oui, tu m'étonnes. On va faire un transfert. Ceux-là, je les ai amenés là, et les 10 000, je vais quand même les foutre là. Ah, je vais essayer là mes 10 000. Attends, voir toi, je vais t'avoir. Ah, me dis pas que attaquer le mec à coup. Ah, si. On va essayer de diviser un maximum. Oh là, il a encore 15 000 hommes là, il en a 5 000 en dessous. Ah, l'Autrichien commence à bouffer. Est-ce que l'Autrichien ferait la paix? Si l'Autrichien fait la paix, je peux m'en sortir. Et si je t'offre un peu d'argent? Oh! 25 000! Allez, dégage! Je viens de me débarrasser de l'Autrichien pour 25 euros. 25 ducats, pardon. Alors, LVA, là, ça change un peu tout. Ça signifie que le Français est seul, ou quasi seul. Je vais pouvoir peut-être lui péter la gueule. Alors, ça change un petit peu quand même. Parce qu'on se retrouve donc, moi, Aix-la-Chapelle, avec le bohémien, j'ai surtout le bohémien avec moi. Bon, l'état pontifical, j'ai vu qu'il était à zéro. Contre le français et Hansbach, quoi. Donc le français. Le français, il a 15 000 hommes au-dessus, 13 000 en dessous. Plus j'ai vu 6 000 hommes là. Regarde-moi ça. On lui a pris les abruzzes. Il y a moyen de le battre. Bon, après, bon, entre le faire et réussir. J'essaie d'occuper tout le haut de son empire. Avec un maximum de troupes, parce que malheureusement, je peux pas faire grand-chose. Ah! Bourgogne cédera Picardie. Je refuse. Hors de question de t'offrir un truc.
Ah, Hansbach propose la fée. Non, c'est pas la meilleure des épées. C'est vrai, c'est de l'Autriche, ça va me sauver, je pense. Ah putain, il va martyriser mon allié Clève. Oh là là. Mon allié Aix-la-Chapelle s'est fait défoncer. Ah, puis j'ai encore des rebelles, fais chier. Je peux pas trop diviser à mort mon armée, parce que sinon je vais me faire défoncer. Mon allié Lorrain s'est fait défoncer. Et le Bavarois bouge pas son cul. Probablement parce qu'il a pas l'accès militaire. Écoutez, je vais demander accès militaire à tout le monde. Non, il devrait pouvoir passer là. Ah putain, je me fais défoncer de partout. Ah putain, puis il arrive. Si je vois qu'il avance, j'attaque. Ouais, c'est ça. On va détacher le siège, on va foncer. Ah voilà, le bohémien arrive, regardez. 8000 hommes. Ah, je suis obligé de l'envoyer. Quelle est ton offre, français? Non, je refuse. Ah, puis je perds de la manpower en attaquant là. Allez, Orléanais, on joue Île-de-France. Ça tombera pas Île-de-France, pas arrivé. Allez, j'ai pris le main. La patrie de Stephen King. Il faudra toujours rire ça. On va essayer de renforcer les garnisons d'Alençon. Ah bah voilà. On va essayer de retourner renforcer l'Île-de-France. On lui fait juste peur en fait. Hop. Faut jouer avec la hit. Putain, Breda, Liège, Charolais, je vois tous les trucs en rouge. Oh là là. Ah, le bohémien est en train de lui foutre une piquette. J'espère. Je vais prendre Orléanais, je vais être tranquille comme ça. Ce sera un siège de fini. Putain, le bâtard, il m'a attaqué en traite, ce petit con. Merde! Ah putain, pion, où il y a les nationalistes, faut que j'aille les défoncer. Ça y est, j'ai pris l'Orléanais. Parfait, on va se replier sur Alençon avec les 5000 hommes là. On va laisser l'Anjou tranquillement. Et je pense que je vais aller me débarrasser de mes problèmes là-haut, quoique le bohémien est là. Je sais pas trop. Je suis à combien en... Ah, je suis à 15%. Ah, j'ai peur qu'il attaque en Anjou là. Il va attaquer en Anjou. Ah non, il attaque en Alençon. Et si je le bourrine? Subvention de guerre. Ah! Le bohémien me file des subventions. Rappelons que je suis déjà subventionné par le. Comment il s'appelle? Par le. L'anglais. L'immonde anglois qui me subventionne. Ah, c'est dégueulasse, hein. Oh, l'île de France, toujours à 0%! Mais on joue à Alençon, on tombe. Parfait. Dès qu'Alençon tombe, je fonce sur l'année. J'aurai 20 000 hommes contre 13 000, ça passera. Ah, c'est tendu là, c'est vraiment une grosse guerre. Je vais regarder si je peux pas me débarrasser de certains pays. Enfin, en fait, de Lansbach quoi. Non, il voudra pas. C'est bien parce que le bohémien se me débarrasse de mes ennemis. Là, il a défoncé le français, c'est bien. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres ennemis français. Non, j'ai pas l'impression. Il ne lui resterait que 26 000 hommes? 30 000 hommes? Il devrait lui rester 30 000 hommes, visiblement. Ouais, c'est ça. Ah, donc il a plus tant d'armées que ça. Paix blanche. Moi, je vais te bouffer des trucs. Ah, il est là, Lansbach, ce petit con. Ouais, j'ai pris l'Alençon.
Ça, en plus, j'ai un chef là-dessus. Là, est-ce que j'ai un chef? J'ai pas de chef. Est-ce que... Bah oui, j'ai des chefs disponibles. Ouais, exécutons le bailli. Allez, à deux dessus, on a 20 000. Ah merde, celui qui arrive en premier. Ouais, 20 000. Ah, je peux bouffer moins 1. Par contre, je le défou... Oh là là, je perds beaucoup. Ok, j'ai pris l'Anjou. Dès que je vois où il se barre... Oh, j'en chie, putain. Bien mêlé. On se back, payera 9 du K. Moi, oh, c'est bon, dégage. Oh putain, on me défonce en Île-de-France. Ah, malheureusement, j'ai rien pour protéger. Oh, je me fais défoncer, putain. Ah, je vais les perdre, les hommes, là. Ah, dommage de perdre l'Île-de-France, ça fait chier. Allez, viens, viens, parce que c'est 5 000 hommes qui vont perdre, pas 2 000. Parce que c'est un effectif de 5 000 hommes à la base. Allez, barre-toi, barre-toi. Ah! Ah, je suis embarré. Ah non, j'ai perdu mes hommes, putain, fais chier. Oh, va te faire foutre. 5 000 hommes passés à la trappe. Allez, bohémien. Allez, bohémien! L'alliance bohéméano-bourguignonne arrive! Le Saint-Empereur est là! Regardez-moi ce beau Saint-Empire. Putain, par contre, ah, ça va, il la défonce. Regardez-moi, c'est l'alliance du Saint-Empire contre le Ville français. Ah, Burk, français dégueulasse. Tiens, tiens. Ah, mais on se fait défoncer, merde! Oh, on a zéro morale, putain. La Normandie, ça tombe pas? Non. Ah là là, putain. On a 27 000, on va le défoncer. Putain, j'ai rien à lui prendre en plus. Oh là là. Malheureusement, moi je peux rien aider. J'ai absolument plus rien. J'ai tellement plus de troupes. Oh là là. Oh, on l'a battu. Où est-ce qu'il se barre? Où est-ce qu'il se barre? France arrivera à Nemours. Nemours, Nemours, c'est ici. Hop. À l'assaut! Il me propose une paix blanche. Allez, allez! On va le fumer là. En plus, il y a les 12 000 hommes du Bohémien. Allez, on l'a détruit. Je vais aller péter la gueule à l'Orléanais ici. Je vais essayer d'aller sauver quelques-unes de mes troupes. On lui a détruit toutes ses troupes à l'autre coup. Oh, bah dans ce cas, on va reprendre l'île de France. Hein. Écoute. Ah merde, il y avait de la troupe là. Merde, 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 viens m'aider. Bon, ça va, je m'en suis sorti. C'est bien. Faire gaffe parce que c'est en fait c'est des stacks de troupes que j'ai mais qui ne sont plus renforcés. Bon, ça y est, maintenant que le bohémien est là, c'est bon. Je pense qu'il va faire caca culotte. Le français, là c'est foutu pour lui. Luxembourg, il chope Valenciennes et Anjou. Ok, je l'ai battu en Île-de-France, d'accord. Ah, il m'a pris le Luxembourg. Il a 7 000 hommes là où faut que je fasse gaffe. Putain, mais il y a toujours plein de troupes ce con. Bon, les troupes sont tellement dispersées. Oh là là, attends, il faut que je fasse gaffe là. Et Normandie, tu me prends rien, tu sais. Ça fait 1 milliard de temps qu'on est en Normandie. Là, j'ai combien? J'ai 9 000 hommes. Là, j'en ai 1 800. En fait, j'en ai bien plus, mais. 9 000 hommes. Faut que je les laisse en haut les 9 000 hommes, sinon. Tant pis pour le reste, tant pis pour le sud, comme dirait Nino Ferrer. C'est lui qui chantait ça? Ouais, je pense. Faut que je chope l'île de France. Dès que j'aurai l'île de France, il va chialer. Là, il a que Champagne et Valenciennes. Ça va, c'est rien du tout. Essayer de prendre Nemours. Là j'ai encore 3 troupes au Nivernais. Nemours, je suis pas en truc, je suis pas en truc. Bon bah ça se passe plutôt bien, bah, c'est surtout que j'ai réussi à virer l'Autrichien quoi. Avec l'Autrichien c'était pas possible. On va pas se mentir, il m'aurait défoncé.
J'essaie d'attendre le terrestre 10, mais alors je peux attendre, je pense. Ah, ça, on l'a défoncé. Toujours une paix blanche pour lui, alors que je suis à 33, visiblement. Bon, là, on va occuper son vassal Beryl. Encore le Beryl et le Bern. Enfin, c'est pas le Bern, c'est. Foi. Il y a quand même 9000 hommes là, faut que je fasse gaffe. L'ancienne main, on joue, ok. La Normandie, ça tombe toujours pas. Ah, le Bohémien est en train d'écraser les dernières poches de résistance. Je pense qu'on peut passer en 4 là. Ok, on vient de gagner en Normandie. Il a fait popper des troupes en Normandie. De toute façon, il faudrait que je libère une partie de mon armée. Hein. Parce que je pourrais pas. J'ai pas l'argent pour les poursuivre. Oui, toutes celles qui sont à zéro, je les virerai. Hop, Normandie fait. On lui a pris Valenciennes. On peut prendre Valenciennes. Oh merde! Putain, il faut que je fasse gaffe là, j'ai vu les 3. Putain, j'ai vu les 7000 hommes tomber là. Oh putain! Castim subventionne aussi. Putain, j'ai reçu énormément de subventions. Hein. Mais putain, le bohémien, vient pas vers moi, abruti. Non, je le laisse se démerder, le bohémien. Moi, je veux juste pas prendre. Oula, mais il a de la troupe là, faut que je fasse gaffe. Putain, j'ai bien fait de foutre mes troupes là, j'ai 8000 hommes. 10000 hommes qui traînent là. Ok. Faudrait que je prenne Co. Il le prend en Co en Co. Colonne, ça fait 1 milliard de temps qu'il est là, il a toujours pas pris. Allez, l'île de France tombe. Oh, je suis à 52%. Ok, donc je vais lui prendre ces deux territoires. Vermandois et Champagne. Et je vais lui faire relâcher. Qu'est-ce que je pourrais lui faire relâcher? Ah oui, Urbino, c'est vrai qu'il a des trucs là. Urbino. Alors là, il veut pas. Bon, allez, on va faire ça. Écoutez, je vais prendre Vermandois et Champagne. Ça me vous fait 8 de déshonneur, mais bon, écoutez. Je viens de battre le français, messieurs. Je viens de me battre moi-même. Mon allié français. Mon grand ami français. Je viens d'être battu. Je viens de récupérer Vermandois et Cambrai. Vermandois et Champagne, pardon, qui sont pas les plus riches des trucs, mais qui sont collés à mon empire. Putain, c'est vraiment de la merde en plus. Oh. Vite! Il faut m'augmenter ça. Et bien voilà. Je viens donc de battre le français, lui infliger une cruelle défaite. Lui et son allié autrichien. On est toujours allié à Autriche par contre. Et je viens d'augmenter mon territoire. Écoutez, une belle session. Merci d'avoir regardé. Puis on continuera la prochaine fois. Donc à attaquer Freeze, qui semble être ma future cible. Merci d'avoir regardé. Ciao.